Trường tiểu học Bông Sao, Français niveau 4, semaine 26, leçon La Météo. Tiếng Pháp lớp 4, bài Dự báo thời tiết. Bonjour mes élèves. Maintenant on va corriger l'exercice numéro 1, vrai ou faux. 1. Le soleil est une planète. C'est faux. 2. La planète a la forme d'une sphère. C'est vrai. 3. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. C'est vrai. 4. La Terre tourne sur elle-même en 365 jours. C'est faux. 5. La planète la plus proche du Soleil est Mercure. C'est vrai. Exercice numéro 2. Écris le nom des planètes du système solaire. Soleil. Mercure. Vénus. Terre. Mars. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Exercice numéro 3, réponds aux questions. 1. Le soleil est une étoile. 2. La forme de la Terre est une sphère. 3. La planète la plus proche du Soleil est Mercure. La planète la plus éloignée du Soleil est Neptune. 4. Il y a 8 planètes dans le système solaire. Par exemple, ce sont Vénus, Mars, Terre. Aujourd'hui, nous allons apprendre la météo. Quel temps fait-il? Il fait plus adverse. Par exemple, il fait chaud. Il fait frais. Il fait froid. Il fait nuit. Il fait jour. Il fait beau. Il y a plus non. Par exemple, il y a des nuages. Il y a du soleil. Il y a une tornade. Il y a un arc-en-ciel. Il y a de l'orage. Il y a du vent. Il y a du brouillard. Il y a une tempête. In plus verbe. Il pleut. Il grêle. Il neige. Maintenant, on va faire l'exercice numéro 1. Relis. Quel temps fait-il? C'est très facile pour vous. Il fait froid. Il fait beau. Il fait chaud. Il fait du vent. On va continuer. Il neige. Il fait mauvais. Il y a du soleil. Il pleut. Exercice numéro 2. Complète les mots correspondants de chaque image. 1. Il neige. 2. Il pleut. 3. Il grêle. 4. Il fait chaud. 5. Il fait froid. 6. Il fait beau. 7. Il y a du vent. 8. Il y a du soleil. 9. Il y a du brouillard. 10. Il y a de l'orage. 11.
Il y a des nuages. Exercice numéro 3. Regardez l'image et réponds aux questions. Mời các bạn cùng quan sát bức tranh dự báo thời tiết bên cạnh để trả lời các câu hỏi sau. 1. Quel temps fait-il à Nice? 2. Est-ce qu'il y a du vent à Nantes? 3. Où pleut-il? 4. Il y a de l'orage dans quelle région de la France? Au revoir, mes élèves. Merci et à bientôt.